La chanson d'Arietti par Cécile Corbel. Cécile Corbel dans le grand studio RTL, la chanson d'Arietti. Alors Cécile, elle a un parcours absolument incroyable. Bac S, école du Louvre, DEA en archéologie. En parallèle, vous jouez dans les pubs ou dans les salles, d'abord à Paris. Et puis ensuite, il y a un premier album qui sort en 2005, Harpe Celtique et Chant du Monde. Un deuxième album en 2006, Songbook volume 1. Un troisième en 2008, Songbook volume 2. Et c'est d'ailleurs cet album qui va faire basculer l'histoire pour nous amener à la chanson qu'on vient d'entendre. Parce que cet album, alors vous allez l'envoyer au studio Ghibli, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le studio Ghibli, c'est quoi exactement ? C'est connu en France surtout par le nom d'un des réalisateurs, Hayao Miyazaki. C'est le plus grand studio d'animation japonais. Mm-hmm. Ils ont fait des films comme Princesse Mononoke, ouais. Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, et j'en passe. Et moi, depuis 10 ans, j'étais absolument fan de tout ce qu'il faisait. J'aime beaucoup l'animation et l'animation japonaise. Et j'ai ce geste un peu naïf, très naïf, d'envoyer Songbook volume 2 à l'intention du studio il y a maintenant plus de 2 ans. Et le hasard, ou les fées, ou je ne sais pas, le destin a voulu qu'il arrive à destination et soit écouté par le producteur en chef de ce studio. Et puis,
Qui fait écouter au réalisateur. Voilà, qui aime la musique et que ça lui donne envie d'avoir ma harpe, ma voix et mes chansons sur un projet de normalement, film. C'est une chanson. Et en fait, vous avez fait toute la bande originale de ce film. Mais oui. Au départ, c'était juste Arietti Song, la chanson d'Arietti là, ouais. que nous venons de jouer. Et puis, il faut croire qu'ils ont aimé. Ils ont demandé 2 autres chansons, puis 10, puis 30. C'est et génial. Puis, c'est devenu la BO. Ouais. C'est une histoire formidable. Vous n'aviez jamais fait ce genre de travail. C'est compliqué d'ailleurs de placer et d'inventer de la musique sur des images d'animation, je précise. C'était un régal, en fait. Parce que d'habitude, quand j'écris mes chansons, je dois trouver mon inspiration. Alors, elle se situe dans plein de choses, notamment en Bretagne. Mais là, Ghibli m'emmenait... Les sujets m'emmenaient des thèmes et donc j'avais juste à me laisser porter par la belle histoire du film et à rêver en regardant les dessins, à m'inspirer du scénario. Donc en fait, ça a été très créatif, ça a été vraiment une bonne expérience.